Et bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau Shiny. Un nouveau Shiny, alors nous sommes le 21 mars 2022. Il est à peu près 1 h du matin. J'allais arrêter de chasser et puis j'étais dans les dernières rencontres. Quand cette petite souris verte est apparue, toute Shiny, elle m'a pas mal surpris. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je suis sur la recherche de Bargantua bleu qui est à 70% dans cette zone. Donc ce mari il est à 30%. Et pourtant, je phase sur ce petit shiny qui est très mignon. C'est pas mon premier mari, j'avais déjà chassé Marill sur 3G, que j'ai fait évoluer depuis en Azumarill. Donc bah, c'est pas grave, ça me fera la famille complétée. J'aime beaucoup ce Pokémon, j'aime beaucoup sa famille. Donc bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste que voilà, il va falloir que je rechasse Bargantua bleu. Peut-être sur une autre zone, je sais pas. Il y a d'autres zones où il y a d'autres Pokémon à 30%, il me semble. Donc je vais voir où je peux reprendre cette chasse de Bargantua. On va mettre un tout petit peu de son. Voilà. Alors c'est une femelle. Je sais plus si mon premier Azumarill était une femelle aussi. Pas trop souvenir de ça. Donc ce mari, il va rester en marine. Je pense que je vais lancer une petite fée Bobole. Let's go. Et bien voilà, première bol lancée, nickel. Nickel chrome. Et on va aller voir tout de suite le chiffre, parce que du coup c'est un chiffre pas mal conséquent, je crois. Sa queue à l'extrémité remplie d'huile fait office de flotteur, lui permettant de rester indifférent au rapide. J'ai un petit surnom, oui. Même si j'appuie sur le. Voilà. Let's go, je sauvegarde le petit shiny en poche et je vais calculer son chiffre. On va aller voir tout de suite ça au. Voilà. Compteur. Onze mille neuf cent quarante-trois. Voilà, beau chiffre. Voilà. Très beau chiffre. 11 943. Pour un petit indésirable. Et on va le faire briller tout de suite. Je vais regarder sa nature d'abord. Moi je dis timide hein, comme d'hab. Et elle est douce. Elle est douce. Elle est trop belle. Très contente de trouver un autre mari après tant d'années et en plus. La localisation elle est sympa et en plus c'est pas du tout sur la même version donc sur la même gène, même tout court. C'est plutôt cool. J'ai énormément galéré à faire la photo de la rencontre. C'est une plaie. Non seulement parce que le Pokémon bouge, mais parce que sa couleur sur le fond bleu, ouais, c'est compliqué. Et voilà, Marine Shiny. Énorme. Cool, très très beau shiny. Allez, on va faire péter les étoiles encore et puis je vais vous laisser sur ces petites images parce qu'il est assez tard. Et voilà, plus pour un nouveau shiny.
Je sais pas si je vais reprendre Gargantua Bloop tout de suite, en tout cas. Voilà, ça sera une phase 2. Magnifique. Je vous dis à plus tard pour un nouveau Shiny. Bonne chance à vous, que les étoiles soient avec vous. Allez, salut!